En cas d'accident, il faut rapidement prévenir les secours. Le moyen le plus classique, c'est le téléphone portable en utilisant le numéro 112. Il existe aussi d'autres moyens de prévenir les secours, comme la radio, le téléphone satellite ou les balises détresse, mais le moyen le plus classique, c'est le téléphone portable. Donc le numéro 112 sera opérationnel même si seulement un opérateur couvre la zone, c'est-à-dire que même si ce n'est pas votre opérateur, vous pourrez quand même déclencher les secours avec le numéro 112. Pour passer l'alerte au téléphone, c'est important de donner spontanément les informations liées à l'accident. Ça fait gagner du temps plutôt que le secouriste au téléphone demande directement les informations. Pour passer l'alerte, il faut immédiatement donner le lieu de l'accident. Pour ça, on va donner au mieux une coordonnée GPS et à minima le nom du lieu où on est et si possible l'altitude. Dans un deuxième temps, c'est bien de se présenter, donner son nom et puis sa fonction. Ensuite, on va faire un bilan de la situation, c'est-à-dire donner le nombre de victimes et leur état. On va pouvoir décrire les premiers gestes qui ont été effectués, c'est-à-dire dire où en est le secours. Et enfin, on va aider les secours à intervenir, c'est-à-dire on va donner la météo sur place et éventuellement dire s'il y a une possibilité de venir en hélicoptère. Et éventuellement dire si on a préparé une des aides pour préparer l'arrivée de l'hélicoptère. GHM Briançon, j'écoute. Bonjour, Jonathan Crison, guide de haute montagne, alerte avalanche. On est sur le petit galibier ouest, versant est. Coordonnées GPS 4506 294 nord, 640 45 9 est. On est à l'altitude 2545. On est témoin d'une avalanche sur un groupe de 4 personnes. A priori, il y a une personne ensevelie. Elle n'a pas été dégagée. Actuellement. Vous êtes témoin, hein? Oui, c'est ça, on est témoin. Actuellement, le ciel est en train de se dégager. Il y a un petit plafond nuageux à 200 mètres au-dessus de nous et il y a très peu de vent. On est en train de préparer une DZ. Vous êtes habillé comment, là, de quelle couleur? Alors, je suis habillé en jaune et bleu et mon client est habillé en vert. D'accord. Donc, laissez rien au sol qui peut s'envoler. Est-ce que vous pouvez démarrer la recherche de VR? Oui, entendu, on gère ça, on va rejoindre le groupe. A priori, elle a déjà été démarrée par le responsable du groupe. D'accord, donc nous, on a toutes les informations. On arrive dans 20 minutes et gardez votre téléphone allumé là. Entendu. À tout de suite. Tout de suite.